Salut à toutes et à tous, c'est Drake pour le coin des jeux et trophées. Aujourd'hui, on va parler un peu de Destiny 2 qui est sorti le 6 septembre. Donc, apparemment, on peut récupérer les personnages de ses parties précédentes. Moi, personnellement, je les ai effacés. Donc voilà, j'en ai refait des nouveaux. Comme vous pouvez le voir, je préfère les personnages féminins. Donc il y a toujours les mêmes classes. Chasseur, arcaniste et titan. Mais avant d'approfondir le sujet, j'aimerais parler de la communauté que la chaîne a créée, donc du même nom sur PS4, le coin des jeux et trophées. N'hésitez pas à vous inscrire, plus on est, mieux c'est. Et par la même occasion, si vous souhaitez jouer avec nous ou faire quelques trophées sur Destiny, il n'y a pas de souci. Mon identifiant. Voilà, Drake 59240, c'est affiché. Donc voilà, ceci étant dit, on va créer le troisième personnage qui manque, le Titan, et dévoiler le scénario. Donc voilà, on voit bien l'influence Star Wars. Hein. Déjà pour le chasseur. Et Halo, bien sûr. Donc les personnages ont des nouveaux pouvoirs aussi apparemment. C'est ça qui est cool. Donc vous allez le découvrir. Un synthétique. J'ai déjà une petite idée, donc ça va aller vite. Bon, au niveau de la personnalisation, c'est pas super poussé, mais ça a quand même le mérite d'être là. Signe distinctif. C'est pour la petite touche Mass Effect. Ikora, si tu m'avoues maintenant qu'il s'agit d'une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serai impressionné. T'impressionner, Cade? Si tu crois que j'ai que ça à faire. Trêve de plaisanterie. Zavala, je suis tout à fait sérieux. Ça ne se voit pas? Ikora, vous avez quelque chose? Les systèmes de défense ligne d'horizon semblent avoir été sabotés. Les communications sont brouillées depuis le début des festivités. Aucun capteur ne répond de l'autre côté du mur. C'est peut-être dû à l'orage. Ou peut-être... Des infos des satellites? Il n'y a rien. C'est bien, non? Non. Il n'y a vraiment aucune trace.
Où sont nos satellites? Ah oui, c'est pas bien. À vos stations! Tout le monde avec moi, maintenant! Je répète tour de contrôle, ici épervier de la cité 723. Y'a quelqu'un? Aucune réponse sur aucune fréquence. Même pas celle d'urgence. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? Vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite? Eh ben oubliez ça, foncez! Ne perdons pas de temps. Il faut trouver Zavala, Ikora et Cade. Pour l'interface, c'est la même chose. Alors, on commence à fond. Avec des bonnes stats. Ça c'est de mes parties précédentes, ça, c'est normal. Des cavales. Ça n'a pas de sens. Généralement, les cavales conquièrent des systèmes en faisant exploser ces planètes. Ils veulent sûrement quelque chose qui se trouve ici, à la dernière cité. Ici le commandant Zavala. Tous les civils sont sommés de se rendre au point d'évacuation et tous les gardiens sont attendus sur la place. Notre cité survivra. Cade. Salut vous deux. Une seconde. Zavala joue au héros sur la place. Et moi j'ai un rancard avec celui qui est derrière tout ça. Ça sera vite expédié. Servez-vous dans mon arsenal, puis continuez à avancer. Vous pourrez traverser le hangar jusqu'à la place. Je m'occupe de ces gens. Si les cabales veulent la guerre, ils vont la voir.
Un ordre d'évacuation 77 est en vigueur. Ceci n'est pas un exercice. Tout civil est sommé de se rendre immédiatement dans la zone d'évacuation la plus proche. Regardez la taille de cette chose. Ça doit être leur vaisseau mère. Tente pas d'attaquer la tour. Regardez le voyageur. Mon spectre n'arrête pas d'appeler ses cabales la Légion Rouge. Ikora, t'as des infos? Ce sont des combattants d'élite impitoyables. Selon les rumeurs, ils n'ont jamais perdu un combat. Jusqu'à aujourd'hui. Car aujourd'hui, ils affrontent les gardiens. Mais... ils attaquent le voyageur. Le voyageur attendra. Il faut protéger la population coûte que coûte. Cette Légion Rouge est bien entraînée. Mais nous sommes meilleurs. Tant que tous les civils n'auront pas été évacués, nous tiendrons cette position. Les missiles, repliez-vous sous mon bouclier! Ne laissez pas franchir la porte, les navettes d'évacuation sont derrière! Reste ici, puis je m'occuperai de ce vaisseau mère. Des missiles, restez sous mon bouclier! En voilà d'autres! Montrez-leur ce que valent les gardiens!
Zavala. La dernière navette vient de partir. Comment je les ai défoncés ? Il n'est jamais venu. Je pars à sa recherche. Je m'occupe de la place. Rejoignez Ikora. Trouvez le guide. On s'en charge, commandant. Oh mec, ça sert plus à rien de balayer, je crois. Ikora, le guide a disparu. Tu nous as déjà pris beaucoup trop. Les gens rouges. Je ne t'accorderai aucune pitié. Ça va là. Elle s'occupe du guide. Vous devez vous rendre sur le vaisseau mère. Rendez-vous au nord de la tour. J'envoie Amanda Holliday vous chercher. Vous aviez besoin d'un pilote ? Ça va là ? J'ai trouvé cette personne dont vous n'arrêtez pas de me parler. Il faut l'emmener vers un vaisseau mère, vite ! Tenez bon derrière ! Allez, mon grand. Faut se remuer. Ok, derrière. Mettez-leur quelques pompes pour bien placer. Quand les boucliers seront désactivés, et on frappera ce vaisseau avec tout ce qu'on a. L'hologramme pourrait nous aider. Laissez-moi regarder. Bon, le générateur de bouclier devrait se trouver dans la cale inférieure du vaisseau.
Je tiens à rappeler aussi que c'est un jeu qui a été fait par, en association avec l'équipe de Halo et de Call of Duty. Donc, En formation avec moi. Et apparemment Blizzard aurait fait quelques bricoles dessus, je ne sais pas quoi, je me suis pas renseigné là-dessus. Mais quand j'ai vu cette marque sur le boîtier, ça m'a un peu étonné. Blizzard c'est tout ce qui est Diablo. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je crois qu'ils ont fait aussi Overwatch. Je trouve qu'il y a un petit plus dans ce Destiny 2, c'est la musique. Tout ce qui est instrumental, c'est pas mal. Sauf que dans le premier, c'était déjà pas mal, mais là, c'est encore... c'est amélioré. Elle est vraiment précise l'arme. C'est simple au début comme ça, c'est parce qu'en fait, comme on prend la suite du premier Destiny. En fait, on est déjà équipé comme un malade. Les turbines et les boucliers devraient faiblir. Oui, comme ça.
Ah merde. Vite, 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 vite. La température augmente, ça fonctionne. Ça va là, nous avons réussi. Les boucliers sont désactivés. Ça va là. On se dirige vers le pont supérieur. Amanda ? Bon, allez, je ferme ma gueule. Comment allons-nous nous en sortir ? C'est impossible. Bienvenue dans un monde sans lumière. Gardien, il se passe quelque chose. Garde pas, misérable créature. Vous êtes faible, indiscipliné, retranché derrière ces murs. Des lâches qui ont oublié ce qu'est la peur de mourir. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Les gardiens ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont reçu. Je suis Gaulle. Et votre lumière m'appartient. Beaucoup de personnes sont plaintes qu'il n'y avait pas de scénario, tout ça. Ils ont fait un petit effort pour le 2 apparemment. Et bon, faut voir ça comme un Diablo. Un Diablo, il y avait pas, il y avait une histoire, mais c'était pas, ça durait pas 15 ans quoi. Après, c'était beaucoup de gameplay, beaucoup de loot. Fallait farmer pas mal, tout ça. Donc là, c'est pareil, sauf que c'est à la sauce Halo, Call of. Voilà, je tenais à dire ça quand même, parce que ça reste un très bon jeu malgré tout, surtout en multijoueur. On s'éclate bien avec les potes.
On se croirait dans Terminator. Il est immense. Oh, c'est un monstre. Gardien, vous êtes en vie? Je croyais vous avoir perdu. Je peux vous guérir, mais je ne peux plus vous réanimer. Plus depuis que... Gardien, la lumière a disparu. Ils nous ont tout pris. La cité. Le voyageur. Tout. La Légion Rouge exécute les gardiens sans défense. Nous devons partir d'ici. Je reçois un message d'urgence. Ce sont les coordonnées d'un point de rendez-vous. Ils évacuent la planète. Nous devons nous y rendre. Ces gardiens, ils n'avaient aucune chance sans leur pouvoir. Nous aurions pu être à leur place. Gardien, si vous mourrez, je ne pourrai pas vous réanimer. Nous devons être très prudents. Ce faucon. On dirait qu'il nous suit. À moins que ce soit nous qui le suivions.
Je m'arrête un peu pour que vous admirez les graphismes. Bon, après moi je joue en 4K donc mais bon en 1080 ça le fait aussi. Oh, regardez. Quelqu'un a laissé traîner un gardien en parfait état. La situation doit être pire que ce que je pensais. Ça, c'est mauvais signe. C'est le moment d'y aller. Oh, mais attendez. Où allez-vous? Aussi loin d'ici que possible. Ce Foucault, il est à vous? Je m'appelle Osorn. Lui, c'est Louis, notre meilleur pilote. Et vous? Vous êtes en état de voler? Vous aurez sûrement besoin de ça aussi. Il est temps de vous rendre utile, gardien. Très bien, allumez les moteurs! Un long voyage nous attend! Pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne, mon vieil ami. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Il l'appelle le Voyageur.
Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Et ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Cole. Toi et moi avons passé nos vies à essayer de refondre notre société, reforger notre peuple, reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Kallus. Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. La Légion Rouge lui prendra sa puissance. Tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus ? J'aimerais m'entretenir avec mon invité. Nous approchons de la zone morte européenne. Ça va être notre nouveau foyer pendant un moment. Regardez. Vous reconnaissez? C'est là-bas que nous sommes censés aller. Ce truc? Ils l'appellent le fragment du voyageur. Moi, j'appelle ça un lieu où j'éviterai de mettre les pieds. Bonjour, porteur de lits. Oh, je suis contente de voir que vous allez bien. Je m'appelle Tira. Tira Karn. Désolée. On s'est déjà rencontrés? Je suis perturbée. Depuis que j'ai perdu contact avec la lumière. Si j'ai bien tout compris, vous cherchez le fragment du voyageur. Moi aussi, j'en ai rêvé. J'ai vu un morceau brisé et dentelé, telle une blessure qui ne guérit jamais. Mais je me méfie de son attrait. Comme nous, le fragment a perdu la lumière. Depuis que le voyageur s'en est défait pendant la chute. Voilà des siècles qu'il altère et pervertit tout ce qui l'entoure. La mort règne là où il se trouve. Si vous êtes décidé à y aller, n'oubliez pas que nous autres gardiens ne sommes plus immortels. Discutons. Il y a... beaucoup de monde par ici. Pour moi, en tout cas. Vu que j'ai vécu la moitié de ma vie en dehors de la cité. Donc... j'ai entendu dire que vous vouliez fouiller ce gros éclat de voyageurs.
Vous, les gardiens, vous avez une drôle de façon de vous amuser. Louis et moi, on comprend bien ce que c'est que de suivre son instinct. Je ne vais pas vous retenir et... j'ai plein de choses à faire ici. Prenez le vaisseau avec lequel vous êtes arrivé. Au moins, vous reviendrez plus vite. Vous voyez tous ces réfugiés? J'en ai pas encore perdu un seul. Alors ne soyez pas le fou. Prenez soin de vous, ok? Oh non, ils ont remis un ballon comme dans le premier. Ah, il y a un but. Trop bien. Ouais, je suis sûr que j'aurai un trophée en plus avec cette merde. Putain, même pas. Ah si, faut en mettre 3. Ah, c'est ça, il faut en mettre 3. Bon, on va le faire, hein. Olivier Tom. Sont toujours en forme. Ouais, un petit trophée, non? Oh, allez, un petit trophée là, un petit trophée facile. Quoique, en attendant les poteaux, ça peut être cool. Même pas un trophée, putain. Pour faire patienter quoi, en attendant, pourquoi pas. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va aller récupérer notre pouvoir. De vouloir faire ça, ce ouais, fragment certain. Est la raison pour laquelle on l'appelle zone mort. Il le faut, au sort. C'est un signe. Oui, un signe qui dit zone morte. Partout dans la ZME. C'est plutôt charmant. Je veux dire, il n'y a rien de plus accueillant qu'une forêt sombre et hantée. Mais ceux qui ne sont pas gardiens ne sont pas supposés quitter la cité. Le truc avec les règles de la cité, c'est qu'elles ne s'appliquent plus une fois que vous l'avez quittée. Il y a un passage dans le mur. Il est difficile à voir, pourtant il est là. Personne ne s'aventure au-delà. Du moins, pas ceux qui veulent revenir. Ouh, ça fait peur. Non mais allô quoi. Non mais je suis tombé quoi. En plus je peux pas sauter. J'ai plus mes propulseurs, j'ai plus mes pouvoirs, j'ai plus rien. Prévenez
Prévenez-moi quand vous aurez atteint l'autre côté. Osorne ? Osorne, est-ce que vous nous recevez ? Le signal est HS. Est-ce que vous nous recevez ? Pour ceux qui n'ont pas fait le 1, c'est vrai que ça peut peut-être être compliqué au niveau des races aliens, tout ça, mais on peut commencer directement par le 2 si vous vous posez la question. Enfin, ça pose pas trop de soucis. Après, il y a toujours moyen de trouver sur internet un petit article qui parle du jeu, même du précédent jeu. Oh là là, ça fait mal. Ces déchus portent les couleurs d'une maison qui nous est inconnue. Paria. Le fragment du voyageur. Nous y sommes. C'est exactement comme dans notre vision. Ouais, y a du loot, y a du loot. Il est où lui? Putain, invisible. Et voilà, retour à un équipement de bras. Comme je disais, on commençait à 100 de puissance et là je me retrouve à 15. Forcément, faut se refaire.
Oh, un sniper. Je vais l'équiper tout de suite. Ah ouais, d'accord, c'est considéré comme une arme puissante maintenant. Avant c'était dans les armes secondaires. Ok. Oh, j'ai que 3 cartouches en plus. Les armes avec les munitions qui suivent là. Vas-y, dis cheese. Il est où lui? Ah ouais, d'accord. Carrément. Ok. Ok, on recommence. Pas de soucis. Par contre, je vais pas me faire avoir deux fois. J'ai plus de munitions en fait. Les mecs, vous êtes pas drôles. Je pense que nous les avons fait fuir. Emmenez-moi jusqu'au fragment. Voilà pourquoi nous sommes là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi proche de la lumière du voyageur. Oh, est-ce que vous ressentez ça? Accrochez-vous à votre casque. La lumière est de retour. Nous sommes de retour. Reparti.
Et comme vous allez pouvoir le voir, les pouvoirs ont changé. On peut les utiliser un peu plus longtemps. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais, je suis un spartiate. Comment je vais te péter la gueule, toi là-bas? Et sachez que chaque personnage forcément a un nouveau pouvoir, donc l'arcaniste c'est une épée enflammée, et le chasseur c'est un bâton, voilà, c'est Cryo et les... voilà, Cryo. Qui est pas mal d'ailleurs, le chasseur est vraiment pas mal. Voilà, l'intro terminée. Là, on peut voir un peu tout le monde. Voilà, tous les autres joueurs. Si je peux vous donner un conseil pour bien débuter, en fait, essayez de garder tout ce que vous récupérez. À part peut-être les trucs en double, quoi. Parce qu'il y a toujours la même chose. Voilà. Home de réfugiés, par exemple. Faut démanteler direct. Moi perso, le casque d'origine, j'aime bien le garder. Voilà, ici, hop, démanteler. Si je peux faire quelque chose.
là c'est pareil. Au niveau des pouvoirs, c'est un peu différent. J'ai pas bien compris d'ailleurs. Voilà. Après forcément hein, le but du jeu c'est d'évoluer et après justement faire des assauts, des raids jusqu'à 6 joueurs je crois simultanément les raids. Donc voilà pour ce gameplay, je pense avoir fait le tour. Je vous ai pas montré les autres classes de personnages mais bon après si vous intéresse le jeu vous êtes déjà fait une idée. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté, le coin des jeux et trophées sur PS4. Et n'hésitez pas à m'inviter si vous le souhaitez, Drake59240, c'est mon nom sur la PS4. Voilà, bon jeu et à bientôt sur le coin des jeux et trophées.